J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit haul avec la société In Love Art Shop. Je vais vous montrer ce que j'ai pris sur la boutique. Bon, il n'y a pas grand chose hein, mais il y a quand même des choses qui en valent le coup. Alors en premier, j'ai repris un stylo blanc parce qu'ils vont vraiment super bien. Donc c'est la marque Genvana. Voilà. Genvana, je connais pas du tout, mais franchement ils vont super bien. J'en suis vraiment très très contente. Je vous l'avais déjà présenté hein. Voilà, et je fais pas mal d'applications avec ce crayon gel quand je fais de l'aquarelle. Ça va vraiment super bien. Ou vous pouvez l'utiliser aussi pour les feutres à alcool hein, si vous voulez hein. C'est pas gênant. La dernière fois j'avais pris le blanc, j'avais pris le doré, ben, j'ai pris l'argenté. Parce que franchement, c'est vraiment des super crayons. Je suis super contente. En plus, ils valent pas cher. Donc, ben, si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à passer une petite commande sur leur boutique. Ils sont vraiment tip top. Hein. Je vais vous refaire un petit test d'écriture. Bon, le blanc, je vais prendre du papier noir. Il glisse tout seul sur le papier. Je suis vraiment super contente. Donc là, vous avez le doré. On va faire un petit test avec du papier noir. Alors, le papier craft de chez Action. Alors, vous voyez, c'est vraiment tip top. Ils sont vraiment super. On va dire super vibrants. Les couleurs, elles sont vraiment super belles. Je vous montre le blanc. Et je vous montre le doré. Bon, bien sûr, hein, c'est sur du craft marron. Il y aura peut-être des couleurs qu'on va pas très très bien voir. Mais je vous montre que l'intensité de lumière, elle est là, hein, au niveau du crayon. On va faire sur le noir. Ah ouais, franchement, c'est vraiment tip top. Magnifique. Trop, trop génial. J'aime beaucoup ces crayons. Regardez. Parce que vous allez voir à la caméra. Mais la couleur, elle est vraiment brillante en fait. Elle a bien son effet métallique. Ils sont vraiment super. Je suis quand même assez bluffée au niveau de ce que ça donne. Pourtant, c'est pas des marques. Je pense pas que c'est une marque. Mais voilà, si vous êtes intéressé, je pense qu'il y a encore d'autres couleurs, il me semble. Donc je verrai peut-être par la suite pour prendre peut-être les autres, je ne sais pas encore. On verra. Parce que les partenariats, c'est jamais sûr, hein, du renouvellement. Alors ensuite, j'ai pris un petit dalle comme ça. Ils sont vraiment trop trop choupinous, leur présentation au niveau du... Au niveau de la présentation, bon là ça a glissé un petit peu, c'est pas très grave. Voilà, normalement ça se met là au milieu. Oh, le malheureux, c'est trop beau. Et le malheureux, il y a un dail en plein milieu du visage. Voilà, donc j'ai pris une ampoule, trop trop jolie. Donc ça c'est pour le premier. Ensuite, j'en ai pris un autre. Ils ont complètement changé leur présentation. Je trouve ça trop trop joli. Quand vous l'ouvrez au niveau de l'enveloppe, ça fait chouette. Hein. Ça fait chouette. Alors ensuite, j'ai pris... Ah, celui-ci colle un tout petit peu mieux au niveau du collant. C'est bien, il n'y a pas trop de collant. Parce que des fois, on décolle et le collant reste derrière. Ça, c'est bien, vous voyez, il y a un tout petit bout de collant.
Alors, j'ai pris une petite fille. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais certainement faire de l'aquarelle, je pense. Ils sont trop mignons, leurs petits renards, là. J'aime beaucoup. La queue, elle permet de rabattre pour faire tenir le dahlia. C'est bien pensé, franchement. Je trouve ça trop, trop mignon. Et ensuite, il y a celui-là. C'est à flamant rose, avec les petites fleurs. Trop, trop joli. Donc là, on a la jambe. Bon, c'est du montage, hein, mais moi, ça ne me dérange pas, j'aime bien ça. Voilà, il y a la petite pose. Avec sa jambe, pas sa patte, et là l'autre levé et posé, c'est trop joli, c'est vraiment superbe. Donc ça c'est pour le troisième die, et j'ai pris ensuite, je me suis reprise, enfin je me suis reprise, j'ai pris les couleurs pour la stélone, que je vous ai dit, hein, j'aimerais bien en avoir un de chaque. Donc bah, ça me permet de prendre les couleurs qu'il me manque. Donc celui-ci, c'est le Midnight Blue. Voilà. Trop trop joli. Très beau. Et ensuite, j'en ai pris un autre. Oui, parce que si je veux faire des impressions sur du plastique, du verre. Du cuir aussi, je pense qu'on peut faire sur le cuir. Il y avait quoi encore? Le bois. Ben ça, ça va tout seul. C'est vrai que pour faire mes petites diapos. Oh, c'est joli. Là, c'est orange, citrouille, punky. Voilà. C'est des très très bons pas d'encre. Hein. Si vous ne connaissez pas les Stelzone, par contre, il faut avoir le petit produit pour enlever l'encre. Mais moi, ça ne me dérange pas. Maintenant, je ne les nettoie plus, les tampons. C'est pas gênant. Je vous mettrai, comme d'habitude, tous les liens en barre d'infos. Si vous aimez bien les Stelzone, il y en a tout plein. Il y a plein de coloris. Je pense qu'ils ont tout, toutes les couleurs. N'oubliez pas, vous avez aussi une remise. Je vous mettrai le code promo en barre d'infos si cela vous intéresse. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de petites économies. Je pense que on est tous pareils. Quand on peut faire des petites remises sur les commandes, c'est assez sympa. Donc les StayZone, les petits die, je vous ferai de toute manière, c'est bien, une petite vidéo avec les présentations des produits que j'ai fait. La petite fille, l'ampoule, les stylos, stylo gel. Trop, 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 trop bien. Je suis vraiment super contente. En plus, ça se met sur les trois supports. Vous voyez là, c'est sec. Trop bien. Enfin, pas vraiment le doré, on dirait. C'est encore un petit peu. Mais et les couleurs, elles sont vraiment vibrantes, lumineuses. Et moi, ça, vous voyez, des stylos comme ça, ben, je trouve que c'est vraiment super. Quand on veut faire de la petite colorisation, on peut faire aussi des traits. On n'est pas forcément obligé de faire de la colorisation. Si vous voulez écrire, vous pouvez aussi avec. Bon, c'est des stylos, hein, c'est fait pour, vous allez me dire. Faire les petits points de lumière. Faire des petits points de lumière aussi, si vous voulez, par exemple, faire au moment de Noël, bah, vous pouvez. Là, moi, j'ai pris le doré et l'argenté, donc rien ne m'empêche de faire ce que je veux avec. Voilà, moi, je suis vraiment très, très contente. Bah, écoutez, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous mets, comme d'habitude, dans tous les liens en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas, vous avez également le code promo. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.